Yon l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que vous avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser ou, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir la chaîne notification. Ça permet chaque fois que nous postons une vidéo sur la chaîne que vous avez une information sans problème. Ariel Henry, pour le quitter tel pays, pressé, et ça parce qu'on s'est demandé, nous même parce qu'on s'est, ou elle même parce qu'on s'est, je dis à nous attaquer dans l'ONA, et après demain, nous allons nous dire, on va monter, on va pas laisser le soudain, on va bloquer, on est net, merci. Et arrêt ça son misère immédiat. Merci la presse. Nous allons passer à Alexandre Delifère.
secrétaire général PSEC et coordinateur général MIPO. Qui peut nous gagner pour nous faire ça? Nous avons une preuve. Je pense que jeudi, nous pas tout le monde le public n'a pas c'est le ILCC pour se mettre des comptes, pour faire travail. Et ensuite, tout, nous connaissons tout, même le secrétaire général, ça, après le COP, nous dans le secteur privé, nous qui doit on a, qui prend près de 66 millions de gouttes, ça prend 200 millions de gouttes, ça prend 400 millions de gouttes, et le secrétaire général, là, après le COP, nous retirons nos gens sous le système crédit on a, et nous demandons de passer pour. Sorti 2010-2022, il y a 1 216 160 élèves qui composaient nos examens officiels. Il y a seulement 556 531 élèves qui réussissent. Et la quantité qui composait pour entrer dans la faculté de l'État, sorti 2010, 2021, effectif ça n'a pas fait augmenter. Par exemple, si nous prenons 2010-2011, il y a 23 532 étudiants qui composaient pour rentrer dans l'université de l'État, il y a seulement 3 000 qui réussit. Et si nous prenons 2019-2020, il y a 50 309 étudiants ou bien élèves qui composent pour entrer dans l'université de l'État, il y a toujours 3 000. Et dernière date là, c'est 2020-2021, qui 48 915 étudiants ou bien postulants composés pour entrer dans l'université de l'État. Il y a seulement 3 000. Et effectif total étudiant, c'est 33 000 actuellement. Donc, en tout, sorti 2010-2021, il y a 450 241 étudiants qui composent. Regardez bien, sorti 2010, arrivé 2021, quantité d'étudiants qui composaient pour entrer dans l'université d'État, c'est 450 241. Alors que quantité qui réussit pour la même période, ça, c'est seulement 33 000 qui sont véritables des zones. Et effectif actuel, sorti 2010, arrivé 2021, il y a seulement 39 883 étudiants. Et quantité d'étudiants qui diplômés chaque année dans l'université de l'État, c'est seulement 1464 liés. Et quantité de professeurs qui sont dans l'université de l'État actuellement, c'est 1650 professeurs. 10% de licence, 60% de master et 30% de doctorat.
réseau qui fait PSEC mélangé avec Baskan 7, nous venons dire, nous pas capables encore. Quand on compte de Yodzou, ils ont kidnappé à diriger, ils ont tête du ministère qui est le ministère de l'Intérieur. Mais c'est son gros kidnappé lié. Nous-mêmes, nous venons dénoncer pour nous dire, Ariel Henry, si vous ne pas retirer M. le tête ministère, ça, n'a pas fort la guerre puis on se tout. Et ministre Kitel qui s'est kidnappé. Ministre Kitel, ou pas dit pour dire j'ai battu ça. Parce que quatre napsou, c'est la guerre ou la guerre. Depuis que vous avez fait kidnapper Bastère. Vous faites kidnapper Bastère. Vous faites kidnapper Bastère. Nous connaissons lui. Monsieur le Kilik, c'est monsieur Wissi, monsieur. Vous faites kidnapper Bastère. Je n'ai jamais dit à là, vous pouvez se diriger, ministère derrière. Et bien là, nous ne prenons pas pour ça. Encore une fois, nous plantons piquette nous devant le ministère intérieur aujourd'hui. Parce que PSEC, BAS 47, Force militaire radicale sur base, ensemble organisation ça, nous battons nos missions étant avant-gardistes pour que nous battions contre la corruption dans le pays. Parce que là, nous connaissons qui est le ministère intérieur dans la question de sécurité intérieure pays. Aujourd'hui, c'est même nous impliqués dans la question de kidnapping. Et ouais, nous avons fait corruption par-ci par-là. Comment on comprend? Regardez quoi son bâtiment. Pour le ministre intérieur, avec le directeur général, là, à Mazéfiré, pour près de $75,000 américains pour appeler au somme motel. Mais qui paye, les Haïtiens? Je dis, nous disons, il faut que ça finisse dans notre pays. Là, il connaît tout. Le ministre intérieur, Liskitel, qui prend près de 600 millions de gouttes par le premier ministre Ariel Henry, en façon pour qu'il conserve poste comme ministre intérieur dans le pays. Je ne dis pas là, nous venons devant le ministère intérieur. Nous venons dire, nous ne sommes pas capables encore. Comment faire un ministère côté que nous avons kidnappé dans la tête li? Qui est-ce qui kidnappé li? Qui tel, de vous pas démenti, ou pas qu'à porter plainte contre diffamation, ou pouvez accueillir son kidnappé. 6 millions de gouttes, il y a loué chambre hôtel en dans Montana, alors que comme là, c'est 3 millions de gouttes, l'autre 3 millions de gouttes là fait fond. Je dis, hein, question à poser avec Maurice Jechal, est-ce que depuis les sont aux États-Unis, ça va maintenant boucher, est-ce qu'elle fait le bébé? Je dis, est-ce qu'il y a changé ADN Maurice Jechal, qui fait d'accord pour les hommes qui n'a pas la tête intérieure? Je dis à la PSEC, qui c'est plateforme des combattants emblématiques pour le changement avec BAS 47, nous venons là devant le ministère intérieur. Nous venons dire, il faut vraiment quitter, il faut arrêter Zéphiré. Idem pour Maurice Jechal parce que des bouts d'accord sont mis à kidnapper, c'est kidnapper tout. Et, dans le jour qui vient, depuis qu'on parle de revendications, nous allons changer les bagages là. Je vous dis à Le problème, c'est qu'on retire tout ça. Non, on peut retirer plus sûr.
a dit que là, causé un paquet de problèmes parce que je suis comme le président du des écrits, qui a pris plus la carte à ces problèmes plus. Et puis c'est pas vrai du tout, mais déjà, côté Mounsao, tout s'est bien avec Kappa. Donc, tu es capable de qualifier comment ça vise la France? Comment tu es capable de dire le sujet? Bon, voilà, la France est très bien et que nous avons une bonne relation avec les familles qui fait partie de la Sécurité nationale, l'immigration, et la DGI aussi qui est avec les